Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci pour le combat. Je vous en prie. Merci pour la sensibilisation. Merci, Dieu, merci. Tu es une vraie croyante, une vraie Guinéenne. Merci, merci. Et j'ai le hope. Il y a des, je pensais que, c'est-à-dire, heureusement, il y a des Guinéennes ou des Guinéens qui pensent à la Guinée. Mm-hmm. La justice, la vérité. Parce que tous les Guinéens sont égaux devant la loi. Le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre nous, là, c'est celui qui a plus de crainte devant son Seigneur. Oui ou non? Oui, tout à fait. La fois dernière, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est humain, c'est pas parce que je suis faible ou je pleurniche. Non. Le jour où tu as parlé, tu nous as prouvé qu'il y a ça qu'on était Moussi. On a préféré Moussi au lieu de Dieu. Extrêmement grave. Aussi, le fait que tu es une publicité pour la dignité humaine, surtout chez les femmes. Et je crois que ça, c'est comme du dawa ce que tu es en train de faire. Extrêmement intéressant. Oui. Parce que ce que tu as dit, c'est ainsi, compte. Et non, beaucoup t'admire. Parce que souvent, c'est pas la fois que je dis, mais les intellectuels en arabe, là, en islam, là, sont-ils analphabètes? Non, ils ne sont pas analphabètes. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas l'anglais. Hein? Ceux qui ont eu la chance de faire l'école française, là, pensent qu'ils sont les meilleurs. Parce qu'ils font ils portent la cravate. Mm-hmm. Maintenant, les arabisants se font plus analphabètes parce qu'ils pensent que c'est les autres qui doivent avoir le monopole. On peut s'habiller décemment comme tu es en train de le faire, parler de la politique et sensibiliser de la Guinée. Oui. Parce que ceux qui disent, si tu as remarqué souvent, politique, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de Guinée là-dedans. Oui. Voilà des Satan. Voilà des Satan. Voilà des Satan. Parce que la politique, c'est un projet de société. Mm-hmm. Un projet de société. Construire une nation, on ne peut pas construire une nation dans le mensonge. Et aujourd'hui, ma soeur, je pleure. Mon cœur saigne. Je viens de perdre un camarade, Roger Bamba. Je sais que j'ai parlé beaucoup de Diakaréao à Roger Bamba. Plus de 400 jeunes Guinéens sont encerclés, sont mis dans les geôles du professeur Alpha Condé. Roger Bamba était dans une cellule. Ils étaient 9. Une cellule de 7 mètres carrés. Le seul tort que Roger Bamba a, c'est d'avoir milité à l'UFDG. D'avoir milité et mené sa campagne, c'est-à-dire son combat. Le combat pour lequel il croit. La dignité humaine, le respect des institutions, la justice, la séparation des pouvoirs, l'égalité de chance, l'opportunité pour tous. On l'appelle bonnement le matin. Un jour, on dit demain, tu viens, le secrétaire général du Parlement veut te voir. Et celui-là appelle la police, on l'interpelle plusieurs mois. Il est arrêté, il est emprisonné, sans jugement, sans faute, il n'a tué personne, il n'a menti sur personne. Puisque le Roger Bamba, il est de Yomou, certainement, il milite l'UFDG. Toute personne qui est de l'UFDG, il faut l'abattre. Oui. Extrêmement grave, extrêmement grave. Et aujourd'hui, la Guinée est réussie à retourner encore en arrière. À cause des démons, les Kassory, les Kiridi Bangura, ceux qui ont pratiqué le Kozalak et le Mozalak d'hier, comment il s'appelle, le directeur national de la caisse, celui qui nous a dit qu'il a pris de 3000, et je ne sais pas comment, et je crois que mon pays là, me fait pitié. Alors, qui a fait la comparaison entre Sylo Dalin et Alpha Condé. Tout homme responsable aurait choisi Sylo devant Alpha Condé. Dans tous les sens. Non seulement Sylo est plus guinéen de plusieurs générations, il est décent, il est humain, il est plus responsable, il est plus religieux. Il a une bonne vie de famille. Il connaît les Guinéens, il vit dans ce pays et il veut avoir le pouvoir par les urnes, pas par les armes. Alpha a utilisé une rébellion en 2000.
il a échoué, il a attenté, il a fomenté des attentats contre le régime de Jean-Alassane Conté. Toute la vie de Jean-Alassane Conté. Il a essayé d'éliminer ce monsieur parce que Alpha est plus que le CIA. Il avait infiltré l'armée, il a infiltré la police, il avait infiltré le gouvernement de Jean-Alassane Conté. C'est pourquoi, à la mort de Jean-Alassane Conté, c'était le premier à le savoir. Pourquoi? Parce que les Alpha Ibrahim Akira sont là. Et souviens-toi, Alpha Ibrahim Akira, c'est celui-là du temps. C'est-à-dire, quand Kassory Favana est premier ministre, Alpha Ibrahim Akira, ministre de la Sécurité, on a gazé les militants et sympathisants de l'UFDG. On les a gazés dans les mosquées. On les a gazés dans les cimetières. Jusque dans le quand, quand tu dis que la Guinée a voté, c'est que tu as raison, ma soeur. C'est pas ton expérience, mais tu as raison. La Guinée a voté. La Guinée est aujourd'hui dirigée par des démons, par des satans, des féticheurs, des démons. Qui, vous savez, je vais te dire, il faut analyser la Haute Guinée. Va ton long en large en la Haute Guinée. Peu pratique la religion musulmane. On dit haut et fort. Haut et fort, c'est complètement différent vers le côté du Foutan. C'est des vrais charlatans. Ils ne croient pas en Dieu. Tu parles de Dieu, on t'élimine. Et voilà aujourd'hui l'ami du professeur Alpha Condé. Un vieux à l'agonie, plus de 90 ans, parce que Alpha Condé est allé en France à l'âge de 15 ans. Il a fait plus de 65 ans. En 2010, c'est ce que le RPG nous disait. Donc 65 ans plus 15 ans, c'est combien? 65 ans plus 15 ans, ça fait combien? 80. 2010 à maintenant, ça fait 10 ans. Ça fait 90 ans. Alpha, on sait quand les Africains vont à l'étranger, ils disent que quand ils donnent leur âge, là, souvent ils ne donnent pas leur vrai âge. Tu le sais? Et tu le sais. Donc, Alpha Condé a trahi. Moi que tu vois, j'ai manifesté pour la libération d'Alpha Condé parce que je croyais que je crois qu'on ne peut pas arrêter et incarcérer quelqu'un à cause de ses opinions politiques. Mais c'est humain. Mais aujourd'hui, voilà ce qui nous malmène. Les gens, inopinément, ils font irruption dans les maisons. Ils dilapident les marmites. Ils frappent les femmes. Ils violent nos femmes. Ils frappent nos sages. Ils les humilient, les déshabillent. Même les cafres ne le font pas. Alpha l'a fait. Le professeur de droit. Agrégé en droit selon ce qu'on nous raconte, même si ce n'est pas vérifié, mais ce qu'on nous dit. Et aujourd'hui, il est accompagné par des malhonnêtes comme les cabas de Kofi Annan et autres. Vous voyez, il n'y a pas de dignité. C'est pourquoi aujourd'hui, en Guinée, et lorsque les gens, les Guinéens doivent t'écouter, parce que moi, tu m'as redonné l'espoir. Je dis que c'est de l'UFDG, responsable de ce parti, mais tu m'as armé de courage. Et le décès de Bamba m'a fait réveiller encore davantage. Et le combat doit continuer pour la liberté. Parce que aujourd'hui, l'égalité de chance, l'opportunité pour tous, la sécurité pour tous, demande aujourd'hui que tous les Guinéens, hommes et femmes, de se donner les mains pour combattre l'injustice. Oui. C'est ça. Moi, je vis aux États-Unis. Actuellement, vous savez, nous venons de passer des élections. Mais le comportement de Trump aujourd'hui a prouvé que les institutions américaines sont fortes. Il a usé de tous les moyens, en contournant, en essayant de contourner. C'est ce qu'il dit dehors, là, ce n'est pas ce qu'il dit dans les juridictions. Toutes ces plaintes ont été annulées dans toutes les juridictions. Et aujourd'hui, l'opposant est devenu président de l'Amérique. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi Alpha Condé continue à incarcérer, à tuer les Guinéens à cause de leur opinion politique? Pourquoi? Donc, alors, moi, je dis aujourd'hui, c'est un clan, ma soeur, et c'est un groupe. Ce n'est même pas les Guinéens lambda. En 2010, Présidentiel a gagné ses élections. On a voté en basse-côte, on a voté en forêt, on a voté en Moyenne-Guinée, en Fouta, et en Haute-Guinée, seul était le vainqueur. Le Guinéen lambda a toujours choisi seul. Mais il y a des vautours, des caméléons, des méchants, des mécréants, comme les Kassory, comme les Kiridi. Comme les Sangons, hein, comme qui encouragent les Abessangis, qui viennent aujourd'hui dire n'importe quoi.
pour terroriser les citoyens paisibles de Guinée. Je crois que cela est inadmissible à cause de leur propre intérêt personnel. Ils savent qu'ils ne peuvent jamais devenir président. Mais au lieu de garantir la paix, l'unité, la solidarité entre les enfants de ce pays, ce n'est pas leur credo et c'est leur propre intérêt. Donc c'est à nous, c'est pour simplement te féliciter, parce que moi souvent, quelques-uns, je regarde. Mais l'apparence m'a poussé. C'est pourquoi je dis que c'est une publicité pour l'islam. Mais croyez-moi, la voix aujourd'hui. Qui parler de ça. Mais je vais te dire, la voix, c'est notre religion, l'islam. L'islam est la voix. C'est pourquoi je dis une fois là, quand tu es croyant, il ne faut pas mélanger. Oui ou non? Donc aujourd'hui, nous sommes devant des gens, vous savez, si tu te souviens en Guinée, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, on ne trouvait pas, les tueries là comme ça les tueries comme ça dans les rues, voir des gens, des morts dans la rue comme ça, on avait cessé de voir ça avant, auparavant. Mais quand enfin est revenu, quand il est revu, maintenant on trouve les fonds-filles là, on les tue, on voit des cadavres dans la rue, parce que c'est des charlatans qui croient, c'est-à-dire au sang humain, ils boivent le sang humain. Donc nous sommes envoûtés, il ne faut pas que toi et moi on se comprenne, sauf lorsque quand tu as la parole de Dieu, quand tu fais ton zikr, quand tu pries, il ne faut jamais t'avoir. Donc ça, c'est l'essentiel. Si nous ne croyons pas à ça, c'est nous sommes les perdants. Et ceux qui font le fétiche, le charlatanisme et autres là, pour braver les biens de l'État, ils seront comptables, ils rendront devant Dieu. C'est clair même. On ne va pas dire non, on m'a forcé. Aujourd'hui, tous ces chefs police et autres, et ils agissent comme si ils sont chefs suprêmes. Donc ma soeur, ce que je voulais, pourquoi j'ai demandé la parole, c'est pour te dire que tu m'as donné hope et j'aime tes lives parce que tu nous enseignes. Et je sais que tu n'appartiens à aucun parti. Mais quand tu dis la vérité, tu dénonces les droits humains, les abus, on va taxer de militants de CNIOT, je sais clair. Quand tu défends la constitution, on va te taxer de militants de l'UFDG. Que tu sois journaliste ou pas, ils vont te taxer de ce côté. Donc, courage, continue de dire la vérité et unissons-nous. C'est dans la démocratie, dans la liberté, qu'il y aura l'opportunité et l'égalité de chacun. C'est là où on va gagner. Le régionalisme, là, l'éco-stratégie, là, aujourd'hui, prenons l'exemple, les Malinkés. Penses-tu que les Malinkés sont heureux? C'est les plus pauvres. Un petit groupe. Ah, mais c'est les plus pauvres. Et aujourd'hui, Alpha utilise là pour se maintenir. Et demain, s'il partait, ils seront là, c'est les gens là dans le limbo, c'est pas bon. C'est pourquoi je dis, cultivons le culture de la citoyenneté, le respect de nos institutions. Mais pour cela, il faut des hommes dignes. Alpha n'a pas hésité à assassiner l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Parce que nous savons, ce monsieur, il a beaucoup subi. Il a subi des abus de tout genre. Donc, il n'a pas pu résister, il a rendu l'âme. Le fait qu'il a dit, Alpha a eu ses deux mandats, de ne pas se laisser tomber dans les mains des sirènes révisionnistes. Malheureusement, c'était son plan. Et alors là, on l'a enlevé de façon de ce que nous avons connu. Et continue aujourd'hui. Les institutions ne sont pas encore complètes. Parce que la haute cour de justice n'est pas là. Ceux qui sont là ne font pas leur travail. Ils plaisent l'allégeance à Alpha Condé. Donc, la responsabilité n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, c'est le culte de la personnalité. Tout aujourd'hui est recoupé autour du professeur Alpha Condé. Mais qu'il soit terminé. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il nous regarde et observe. Il observe, il rendra justice. Ceux qui soutiennent, en 2010, nous avons vu les sages de la Haute-Guinée venir à la télévision sous l'apport du gens qu'on a fait. Quand je parle de ces gens-là, les plus maudits, ceux qui nous ont trahis, voilà ces militaires bidons, ton nom vide,
qui ne comprennent rien, qui n'ont même pas là. Ils savent même pas prier, même prononcer le nom de Dieu, ils ne savent pas. C'est-à-dire, ce tonneau vide-là, qui a trahi tous ces gens-là, voilà les ceux qui nous ont rendus malheureux dans ce pays. Ils laissent une communauté de sages venir à la télévision guinéenne. Dire, si aujourd'hui, on nous vole nos enfants, ah, on va faire sécession, on va se séparer, on a vu ça. C'est de la coordination du mandi. Je me demande s'ils sont musulmans. Je vois s'ils sont musulmans, ma soeur. Un musulman ne fait pas ça. Parce que toi et moi, nous sommes liés par Dieu, par la religion. Nous sommes égaux devant lui. Si tu pratiques et tu es pris, tu as plus de crainte, Allah te choisit. Il te préférera. Regarde les noms, tes origines. Oui ou non? Alors aujourd'hui, l'UFDG est en deuil. L'UFDG saigne, mais sachez qu'aujourd'hui, le seul opposant, celui qui dit non à Alpha Condé, c'est Senoudalen et l'ANAD. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, et mes frères de ceux qui sont du côté du FNDC, les CDA aujourd'hui, parce qu'il n'a pas eu, ma soeur, pardon, disons la vérité. Il a avancé en âge. La seule chose qu'il pouvait nous laisser aujourd'hui, c'était de démocratiser la Guinée. Les lances en Akouyaté, depuis Alpha Condé, on l'a parachuté au fauteuil en Guinée, il est sorti du pays. Il n'apporte rien, sauf critiquer ceux qui se battent. Vous comprenez? Il est assis en France pour dire non, c'est lui, c'est cela. Alors qu'ils auraient pu apporter quelque chose en reconnaissant le pouvoir que Dieu a donné à celui-là. Parce que tout le monde ne peut pas être président. Ce n'est pas tous les partis qui vont diriger la Guinée. C'est pourquoi je porte confiance à l'ANAD. Parce que l'ANAD, eux, ils se sont distingués. Ils ont dit oui, si nous donnons les mains, nous apportons notre main à celui qui a plus de militants. Beaucoup, la majorité de Guinée le porte confiance. On peut avoir le pouvoir, mais ils refusent cela. Certains ne veulent pas Alpha, mais ils veulent pas celui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est lui à faire? C'est lui. Il a été premier ministre pendant 14 mois. Et c'est en son temps, 14 mois, ils l'ont combattu. Ces vautours-là, qui sont autour d'Alpha, l'ont combattu. Vous comprenez? 14 mois, un an, deux mois, à la primature, il a formé son gouvernement. Je te demande, ma soeur, de chercher ce papier-là. Autour, on va te faire parvenir, tu vas voir la liste des membres du gouvernement que Séloudan avait promis, avait constitué. Tu verras que c'est le Guinéen qu'il faut, à la place qu'il faut. Il est loin d'être ethno. Vous comprenez? Donc, quand il est arrivé, c'est en son temps qu'il a eu les radios privées là, qu'il a eu les élections communales et communautaires en 2005. Il n'y en a pas eu, il a renié avec les institutions du Bretton Woods. Tout était plus mort. Mais les vautours l'ont combattu et finalement, alors, puisqu'il y avait les clans autour de Jean Lassaconté, ses épouses gouverneurs, les ministères, les Djahannama, les Al-Djahanna Fodé, les Kiridi et autres, les Sank, l'autre, les Kassory, chacun gouverné avait un clan. Il dit que le peuple là va avoir le pouvoir. Ils l'ont combattu. Et finalement, aujourd'hui, ils sont. Quand il y a eu, pendant les forces vives, on s'est retrouvés. Nous savons le jeu que Alpha Condé a fait. Aujourd'hui, personne d'entre eux n'a le pouvoir. Nous sommes les perdants aujourd'hui. Les soussous, ils ont tout perdu. Dites-moi quel est le soussous aujourd'hui qui existe. Parce que ma casse, je ne connais. Si on va dans l'angle de l'ethnie, Alpha a manipulé tout le monde. Parce que oui. Kassory, Fofana, il n'y a pas Fofana soussous. Dites-moi, montrez-moi un Fofana. Il peut être né en forêt, en basse, mais il n'est pas soussous. Kassory n'est pas soussous. Alpha dit qu'il va donner la primature à quoi? C'est-à-dire au soussous. Est-ce que Kassory est soussous? Dis-moi la vérité. Franchement, est-ce qu'il est soussous? Il n'est pas soussous. Je suis de Conakry. Mes parents sont venus avant 58 à Conakry. Je suis né là. Toute ma famille est là. Je ne connais pas le Fouta. Mais quand je parle, est-ce que vous ne m'identifiez pas en tant qu'originaire du Fouta? Vous ne dites jamais que je suis de Conakry. Pourquoi? Vous ne dites pas que je suis Soussou? Parce que mon nom est Diallo. Ah, parce que je parle sur Peul. Et facile à identifier. Alors que les Kassory aussi, ses parents, ses aïeux sont venus, il y a beaucoup de mandats. Oui, mais c'est ça. Mais tout le fossé, les origines, c'est le mandingue là-bas, il n'est pas sous. Cela ne le fait pas sous. Donc pour moi.
ethnie ou région, c'est pas la solution. Donc, pour moi, nous devons, donnons-nous les mains. En tout cas, aujourd'hui, le président élu démocratiquement dans les urnes, même Abbé Sylla l'a dit, Abbé avait déployé 12 000 observateurs. Il a confirmé les procès-verbaux qu'il a, lui-là. C'est celui-là qui a gagné. Et la technique que nous avons déployée, avant 0h, nous avions déjà les résultats. C'est tellement facile. Comment une institution... Ma soeur, c'est tellement simple, la compétition. Les institutions là pour instituer la compétition entre les Guinéens. Celui qui gagne le suffrage, on le proclame président. Même ça, on ne peut pas. Impossible. Alors, donc moi, je me limite là. Et prions Dieu et qu'il nous donne la force, l'humilité nécessaire, l'amour du prochain pour changer cette situation. En tout cas, ceux qui gouvernent là, ils rendront devant Dieu les tueries. Aujourd'hui, toutes les biens de l'âge salois sont aujourd'hui sont confisqués injustement. En tout cas, toute personne aujourd'hui qui parle, qui dénonce Alpha Condé est malmenée dans ce pays. Ça, c'est de la révolution de Sékou Touré, c'est pas normal ça. Sinon, celui qui vit en France, plus de 65 ans, il sait que ses opposants, c'est-à-dire ses opposants, ne sont pas harcelés. Normalement. Donc alors, si maintenant on choisit un Moussi au départ d'un Guinéen et d'un Peul, alors on verra les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui courent, qui disent que où sont les soucis aujourd'hui de la Révolution Guinéenne? Dites-moi, décortiquons le gouvernement d'Alpha Condé. Le ministère de la Justice est dirigé par qui? Par un Malinké. Justice, Malinké. Finance, Malinké. Budget, Malinké. Mettez les cœurs, Yandy, s'il vous plaît. Intérieur, même au ministère de l'Intérieur, non seulement le ministre est malinqué, le secrétaire général du ministère est malinqué, le chef de cabinet est malinqué, le ministre des Affaires étrangères est malinqué, le ministre de mines et de la géologie est malinqué, le gouverneur de la Banque centrale est malinqué. Donc, dites-moi les postes régaliens là sont détenus, tous les régimes financiers là, allez voir, il n'y a aucun sousou, il n'y a aucun forestier, il n'y a aucun peul. Dites-moi la vérité. Donc, ce que Kassory s'y se réclame de Malinké là, sousou, ou bien les sangons et autres, qu'est-ce qu'ils apportent à la communauté sousou? Disons qu'ils soient peul. Alors ma soeur, c'est de l'arnaque pure, c'est du banditisme politique. Aujourd'hui, l'armée, le ministre de la Défense, c'est un Malinké. Le chef d'état-major général des armées, voilà. Moi, j'appelle le numéro 2 du RPG. Et monsieur, comment il s'appelle? Le monsieur, celui qui ne parle pas là, le ministre de la Défense, il est de Cancan. Le chef d'état-major général des armées, il est Malinké. Donc c'est un clan, on va me dire non, tu mets le seul à qui tu portes confiance. Donc tu ne peux pas... Regardez, la police est dirigée par les Malinké. Personne. Le ministre de la Sécurité, il est Malinké. Le ministère de la fonction publique, il est malinqué. Le ministre de la ville et de l'habitat, Ibrahim Akourouma, il est malinqué. Visible. Maintenant, vous, les sous-sous là, les peuls là, les malinqués là, épris de... Parce que un malinqué juste doit dénoncer ça. Il doit dire non, ça, nous ne sommes pas les sous-là. C'est quand je dis, le RPG, un rassemblement du peuple de Guinée. Où est le rassemblement du peuple de Guinée? Dites-moi, montrez. Alors maintenant, comment il s'appelle, celui,
celui qui était le directeur exécutif de l'IFR, là, qui est le deuxième vice-gouverneur de la banque, voilà, il se dit sous. Bon, il est de la basket. Voilà ceux qui vous trompent. Ceux qui nous trompent disent que c'est nous qui avons le pouvoir. Lui, là, il est allé, on l'a pris. Flagrant délit, du non, non, ne donnons pas le pouvoir au cul. Mais dans l'armée maintenant, les polices, ces choses-là, où c'est le sous-sous là? Dites-moi, c'est qui, vous qui, les sous-sous ont gouverné pendant 24 ans, où vous êtes? Zéro. Vous êtes les plus. Aujourd'hui, je te dis, hein, moi, super, je dis, parce qu'enfin, on est obligé de parler de langue, dans l'angle de l'ethnie pour faire comprendre aux Guinéens qu'Alpha est un menteur. C'est des gens, c'est des imposteurs. C'est des ethnos, c'est des bandits politiques, c'est leur propre intérêt qui regarde. Alors nous maintenant, en tant que toi, soeur, musulmane, quand j'étais regardé, j'étais observé, j'ai dit, va, toi là, tu es une Guinéenne. C'est pourquoi j'ai voulu t'accompagner dans nos jeunes. Parce que toi, tu n'as pas regardé les fétiches, tu n'as pas regardé quelques karamoukous qui ont retrouvé faire le khalwa. Tu as dit de ton cœur, tournons-nous vers Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, l'omnipotent, l'omniscient. Demandons-le de venir nous voir. Retournons vers lui. Nous sommes à lui et c'est vers nous que nous retournerons. Demandons-lui pardon. Alpha nous a mélangés pour qu'il chasse les démons. Tu as eu raison. Ça, c'est une Guinée, une musulmane qui veut parler comme ça. Ça, il n'y a pas de Guinée dedans, il n'y a pas de région dedans. Alors, toi, dans une position. Est-ce que toi, à la tête d'une banque, est-ce que toi, à la tête d'un ministère, quand moi je me présente en tant que peuple, est-ce que tu ne vas pas me servir? Tu vas me servir parce que tu sais que je suis Guinéen. Je plaide droit quand je remplis les conditions. Voilà des hommes et des femmes, des personnes comme tu, quand même si vous êtes tous maléqués, il n'y a pas de problème. Parce que non seulement vous êtes Guinéen, mais de vous nommer ou de nommer quelqu'un parce que maléqué pour garder le pouvoir, c'est des crimes, c'est du péché, c'est pas religieux. Alors, mes soeurs, alors, tu es qui penses qu'aujourd'hui, qui court derrière Alpha Condé, c'est des gens qui favorisent ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Qu'ils soient sous-sous, qu'ils soient peu, nous avons aussi des peu lâches, hein, qui pensent qu'à eux-mêmes, ils sont nombreux, mais qu'est-ce qu'ils occupent? Quand tu prends Mouktar Diallo, ministère de la Jeunesse, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des accompagnés, ils ne connaissent même pas là où les décisions se prennent. Mais ils n'ont aucun. Hein? Donc, pour nous, ils ne fatiguent pas. Mais vraiment, vraiment, Alpha est un usurpateur. Il a violé son serment. Un musulman ne peut pas faire ça. Alors, ses amis aujourd'hui, c'est le président du Congo. Il n'a pas d'amis. Il a fermé toutes les frontières. Comment maintenant il va gérer la Guinée? Alors, mais sache que il y a beaucoup de Guinéens qui t'admirent et qui t'aiment. Au nom de Dieu, l'amour de Dieu, là, les gens t'aiment. Parce que si, il faut qu'il y ait des soeurs comme toi, des frères qui n'ont pas peur de faire montrer leur barbe, leur. En tout cas, leur distance. You know? J'ai vu une soeur là qui défendait RPG. Quand je l'ai regardé, ma soeur, en fouillant mon fond là, j'ai eu peur parce qu'elle ressemblait à une sorcière. Elle dansait. C'est comme si elle avait bu de l'alcool. Hein? C'est comme si elle a bu de l'alcool ou elle a pris la drogue. J'ai dit, j'ai peur. J'ai vite quitté parce que je ne pouvais pas regarder ça. They are evil. C'est des animaux. C'est des fétichères. C'est des. Allah, la mécréance appartient. C'est le seul Dieu qui connaît. Mais nous savons que celui qui ne va pas. En tout cas. Et certaines pliées de l'islam, on sait dans quel chemin, sauf la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alors, Guinéens, vous avez préféré Mossi, qui est grandi dans Mossi à la main, côté à Modina. Vous avez laissé l'enfant de l'Urudi, l'enfant, le petit-fils de Kenosa de Modane. Vous l'avez laissé. On va pleurer ça. On va pleurer ça. Et aujourd'hui, ma soeur, tu as un couteau. Je connais des militants du RPG avec lesquels nous avons évolué ici. C'est de vrais ethnos. Ils vivent aux États-Unis, ils soutiennent le système en Guinée. Parce que l'autre, il les connaît, et pour eux, ça les suffit. Ils sont contents du fait qu'on frappe les autres, qu'on les attire. Ils sont contents.
Donc, pour ils, sont que, ils sont contents de faire qu'on emprisonne les gens là, qu'on les malmène, qu'on retire de l'argent. Toute personne qui est arrêtée, ça dit, c'est de l'arnaque. Parce que les policiers là, c'est les plus pauvres au monde. Aucun ne peut lire même un verset du Coran. Tu laisses un homme comme ça, là, même Fatih ne peut pas lire. Dis Allahu Akbar, ils ne savent pas. Si tu as remarqué, compare la Guinée au Sénégal, les cadres sénégalais, tout cadre, la plupart des cadres sénégalais, ils savent lire le Coran. Moi, le jour où j'ai suivi Macky Sall, il dénonçait un de ses opposants devant les juridiques du Sénégal. Je l'ai entendu lire le Coran, je ne pouvais pas croire. J'ai vu un autre directeur du Sénégal qui a été, qu'on a voulu arrêter, dénoncer le système sénégalais. Je l'ai vu avancer. Parce qu'il faut avoir la moralité, la foi en Dieu. Mais sinon, tu vas voler, tu vas tuer, tu ne vas pas faire la différence, tu vas dire que le peuple le plus supérieur au Koussou, c'est la religion qui va de l'avant. Nous sommes tous égaux. Le maître dans tout, c'est celui qui se conforme bien devant la loi ou devant Dieu, oui ou non? Oui. Mais c'est ça, donc alors vraiment, tant que tu n'as pas ça, aujourd'hui, tout ce que tu dénonces, c'est parce que tu sais ça dans ton cœur, ce qu'ils font au peuple ou aux militants. Parce que toute personne aujourd'hui qui est livre de G, que tu sois de la Haute-Guinée ou de la forêt ou de la montée, est malmené. Tu es malmené, tu parles son nom, on te tue. Donc je n'ai pas à te dire, quand tu calcules, ce n'est pas un problème de... C'est toute personne qui est derrière l'UFDG qui peut soutenir ses leaders pour le permettre d'être au pouvoir. Et il faut le malmener. Donc, pour terminer, je demande, et je t'ai dit, il n'y a pas que Alpha Condé le mauvais. Je te donne un exemple. Lors des élections communales et communautaires, dans la ville de Kikidou, l'UFDG a eu 7 conseillers. Faya Bilimouno a eu 4 conseillers. Le voleur de tablette là, celui de Kisidougla, a eu 4 conseillers. Donc ils ont dit, non, chacun voulait que l'UFDG le rejoigne pour qu'il ait la commune. L'UFDG était prêt pour le faire. Mais on dit, ok, si c'était dans la démocratie, l'UFDG a 7, pourquoi vous ne pouvez pas prendre les 4 de chacun d'eux pour rejoindre l'UFDG? Que l'UFDG dirige la commune de Mais il faut que l'un de vous, pourquoi? Chacun de vous n'a même pas 7, 5. Donc tu as vu, il y a le gourmandisme. Tu comprends? On ne respecte pas le choix des Guinéens. Je réfléchis bien dans ce que je te dis. Il y a trop de... Moutar Diallo, il a été député de l'UFDG. Quand il y a eu les élections communales et communales, il dit qu'il veut être candidat à député de Ratouma. On a dit, mais toi tu es député, comment tu peux être candidat? Allons, si tu es opposant, allons, si tu es devant nous, on va te rejoindre. Mais si nous sommes devant toi, tu nous rejoins. Hein? Tout à fait. Il a refusé, il a préféré aller avec Alpha Condé. Tu as vu? Oui. Il a dit que le Guinée est malhonnête. Et avant, là, la même chose. On a dit, ok, allons, à travers le pays, qu'on travaille, celui qui vient en tête, on le rejoint. Parce que si c'est lui qui vient en tête, tu nous aides du côté de Ratoma, tes gens vont être inclus dans la gestion de la mairie. Tu ne deviendras pas maire, mais tes gens seront dedans. Mais il faut qu'ils viennent en tête, même s'ils n'ont pas la majorité des Guinéens. Monsieur Sidia Touré, il a tout eu. Je sais, il est compétent. Il a essayé tout, mais il a avancé en âge. Il faut qu'ils viennent aider. C'est le gars aujourd'hui à la majorité des Guinéens. Il faut qu'il n'ait pas l'orgueil de dire non, parce que les valeurs démocratiques sont plus importantes que l'intérêt d'un individu. Oui ou non? Aujourd'hui, si nous promotons la bonne gouvernance, nous combattons l'injustice, hein, nous encourageons l'égalité de chance. Mais il n'y a pas plus meilleur que ça. C'est dans ça que je vais gagner. C'est dans ça que je vais gagner. On ne peut pas dire que tout le gouvernement va nous donner tout. Oui ou non? L'État ne peut pas le faire. Mais l'État est un régulateur. L'État est un organisateur. L'État est un défenseur des lois de la République. Alors, c'est dans ça qu'on peut gagner. Mais si chacun dit, c'est cela, regarde, le FNDC. Où ils sont aujourd'hui?
Et tu sais, quand l'UFDG ne sort pas, l'UFDC n'existe pas. Oui ou non? Je sais comment on a choisi certains responsables de l'UFDC. C'est pas, je dis, ma soeur, il y a trop de lâcheté. Le FNDC a vu en octobre 2019. Mais l'UFDG était là depuis 2010. La première victime du parti est Jacaria Diallo. Mais le FNDC ne parle que de 100 morts de octobre 2009 à maintenant. Il ne parle pas de ce qui se passe. Ce qui est passé. C'est comme si l'UFDG. Hein? Alors que quand nous n'avons pas des élections saines, tu as vu ce qui s'est passé à Matoutou, non? Quand le monde a gagné les élections devant le monde entier, devant les caméras, on vient, on impose, on dit non, c'est pas toi. À Kindia, Ablaï Ba qui est incarcéré actuellement, a gagné les élections à Kindia. On vient, on dit non, c'est pas toi. On donne à un vieux de 90 ans. On dit toi, tes parents ne sont pas nés à Kindia, ils sont venus ailleurs. C'est ce qu'on a dit à Ablaï, Ablaï Ba. Qui est né à Kindia, grandi à Kindia, sa femme est de Koya qui est sous d'ailleurs. Donc, où nous allons avec ces médiocres? Donc, là, les fondements sont touchés, notre foi est touchée, notre existence est touchée. Il faut qu'on se lève. Ce n'est pas dans notre. Et regardez, Kaloum, moi, je suis allé à Kaloum une fois là. Et récemment, j'étais en Guinée, ma soeur. Et j'étais parti à Nostalgie. Donc, je suis perdu dans les quartiers là. Je me suis dit, et ça, c'est qu'on a crié? On l'a eu. Ma soeur, c'est un pic, c'est incroyable. Quand je vois les gens là danser là-bas là pour soutenir le pouvoir, je me demande, 50 ans, les maisons là n'ont jamais changé. Où sont leurs fils? Où sont leurs fils? Sont-ils où? Et ils ne veulent pas le bonheur, c'est quand on leur donne 200 000 sur le sac nourri. Il faut que les Guinéens changent. Toi, tu ne veux pas passer de l'Ouganda à eux. Toi, tu ne veux pas compétir. Tu n'es pas le pouvoir. Toi, tu aimes danser devant les gens comme on avait nommé quelqu'un là, le roi du Kanoum là. Lui, il a disparu à longtemps, c'est pas où il est. C'est pour te dire, quand tu ne peux pas compter, le roi Bobodi là, comment il s'appelle? Alors, j'ai vu à Kanoum là-bas, incroyable. Il y a des gens, ils ne peuvent pas séjourner dans la maison. Les caca là, on met dans les forêts, ça qu'on jette dans la nuit, dans les trucs là. Voilà, je te dis, hein, et j'ai eu la chance de croiser avec le fils de Alphonse Bouli, que Dieu est son âme. Il m'a décrit la situation de Kaloum, c'est que j'ai pris ma voiture et j'ai quitté. À part de quelques immeubles que tu vois, quand tu rentres dedans là, quand tu vois les gens, les enfants courir là, c'est incroyable. Voilà certains qu'on manipule. C'est pas de leur gré, ma question, on donne des sacs de riz, 200 000. Deux jours, cinq jours, c'est fini. Et leur vie est déjà hypothéquée par ce gouvernement. Il faut qu'on change. Mais moi, je sais que cette année-là, 2019, on a voté. C'est celui qui a gagné partout. Mais les Kassory, le vote, il y a quelques-uns autour de l'armée, la police, la gendarmerie qui disent, des faux politiciens ethno-stagiques qui disent non, ça ne doit pas être président. Il faut qu'on leur dise non. Il faut qu'on leur dise non. Donc, le combat n'est pas fini. Nous, en tout cas, l'UFDG ne va jamais reculer. Nous ne reculerons jamais. Et on ne va pas renoncer à notre victoire. Il n'a qu'à tuer tout le monde. Il n'a qu'à tout. Je sais que certains. Et aujourd'hui, ma soeur, de quelle heure est venu? On a tellement perdu. Trop de pertes. L'ancien comté est venu. Il a libéré les gens. La plupart des commerçants qui sont en Guinée, qui ont fait des réalités, sont venus ailleurs. Ils ont eu leur argent en Sierra Leone, au Libéria, en Sénégal, au Congo, en Afrique du Sud, en Angola. Ils sont venus. Aujourd'hui, on connaît, ils sont contre eux. Les gens ont eu l'argent là, parce que c'est tout encore qui les avait chassés. Et tu te souviens, c'est selon l'histoire, la maman dénonçait le papa, le fils dénonçait la maman. Du temps de cela, de se tourner. Le militaire qui n'a pas fait pousser des études, mais il a libéralisé le pays avant la conférence de la Baule. Il a dit démocratie, deux partis. C'est l'Alpha Condé qui a dit non, il faut multipartisme. Parce qu'il sait, dans deux partis, il ne peut pas gagner. Tu comprends? Et aujourd'hui, les Kassory n'ont pas eu honte de Dieu pour trahir la mémoire du journal dans sa raconte. Donc, et que Dieu est son âme. Donc, moi, je vais me limiter là. Inch'Allah, on va continuer le débat. Sache que nous t'aimons. C'est une fierté
et c'est normal que tu parles. C'est pas, on ne peut pas parler seulement du zikr, de la prière. Parce que le musulman, ce n'est pas seulement dans la pratique des cinq piliers de l'islam. C'est dans sa vie quotidienne, c'est dans la parole, c'est dans les actions, c'est au bureau, c'est partout. Les gens là, ils tuent les gens, ma soeur. Ils amassent des millions pour envoyer des gens à la Mecque, puis construire des maisons pour des gens. Mais je me demande le reward là, où ils vont, est-ce qu'ils vont gagner ça? Non, jamais. Ils paieront ça parce que il y a des Guinéens lambda du côté de Sambaïlo dans Kundara, à Nyagasula dans Sigiri, à Nongwa dans Gekedou, qui marchent à pied nu. Certains n'ont même pas accès à l'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de l'eau, il y a des gens qui ne mangent même pas, qui ne mangent qu'une fois par jour. Ils sont mal vêtus, les enfants orphelins là, ces sages, ces vieillards, ces mamans qui portent des mangues, des yéfourés, marcher dans la rue, dans le marché de Madina, dans les rues de Conakry, ces mamans, ces mendiants, ces handicapés. Nous avons l'État à devoir de les soutenir. Quand ils amassent leur argent, ils dilapident. Ils paieront devant Dieu. Wallah, ils rendront compte. C'est du feu qu'ils mangent. Imagine Abessia dans mon quartier. Abessia, je vois des mamans, des petits-enfants. Au lieu d'aller à l'école, ils sont obligés d'utiliser ces enfants-là pour avoir la dépense. Il faut sortir le matin, revenir à 14h pour préparer. Je connais beaucoup de nos voisins, c'est ce qu'ils font. Et ils sont basse-côtiers. Les mamans là, ils sortent, ils vont au marché le matin. Ils vont rester jusqu'à 14h en train de vendre des piments, en train de vendre des manquets, en train de vendre. Après, ils reviennent maintenant, ils préparent, ils mangent, après ils se couchent. Le matin, c'est la routine. Alpha Condé, les Kassory, vous payerez, vous rendrez compte. Vous pensez que c'est de la jalousie. Parce que c'est nous. Mais Dieu, c'est Dieu qui l'a donné ce qu'il a donné. Cette marée humaine, cet amour, c'est Dieu. Toi-même, tu l'as apprécié. Et tout homme responsable, tout homme, entre en fois qu'on est, va préférer celle. Donc, ma soeur, et aujourd'hui, je t'apprends, l'IFDG est un parti pasteur parce que, après celle, nous avons fondé où se faire. Il y a Aliou Condé. Foreus Mofana est le vice-président des affaires sociales et juridiques du parti. Mm-hmm. Aliou Condé, c'est le vice-président des affaires politiques. En même temps, secrétaire général du parti, parce que là, avant, d'ici le congrès, c'est ça. Mm-hmm. Kalemo de Yansene est le vice-président des affaires économiques du parti. Mm-hmm. Et la maman, Madame Ariette, Madame Tiffany, elle est vice-présidente chargée de l'éducation. Mm. Voilà les quatre vice-présidents que nous avons. Il y a Monsieur Chérif Ba, qui est le vice-président chargé des affaires extérieures et de la communication du parti. Mmh. Voilà les hauts dirigeants de ce parti, c'est le top. C'est des hommes et des femmes qui ont exécuté, qui ont travaillé, qui ont de l'expérience, qui ont. Vous savez, Kalemo de Yansani, qui a été directeur, je crois, du fort routier, je pense. Car c'est lui qui était ministre des Transports. Quand ils ont travaillé la route vers Kankala, l'argent est resté. Ils ont ramené ça au trésor. À la caisse. Ils ont travaillé, l'argent est resté. Ils ont ramené ça. Kalemo de Yansani a ramené l'argent avec ses loudali. Ces vautours-là vont faire ça. Tu les vois se battre à cause des téléphones. Tu as vu Alpha Condé m'a acheté une maison. Alpha Condé m'a acheté un téléphone. Alpha Condé m'a... C'est de ça qu'ils se battent. Moi, j'ai pas eu. L'autre aussi. Tu as vu? C'est de ça qu'ils se battent. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, l'État se charge de régulariser
de mieux respecter les institutions et les lois pour permettre les Guinéens de s'épanouir, que chacun dans son chacun puisse avoir quelque chose. C'est comme l'Amérique. Donc, alors, donc, we love you, we appreciate you, may Allah subhanahu wa ta'ala give you long life. Merci. Long life. Merci. Et que les gens, les Guinéens t'écoutent et du courage parce que tu peux rassembler. On peut te croire. Ne te minimise pas. Tu peux diriger. Tu peux diriger. Tu es mieux qu'Alpha Condé. Au moins, tu sais. Toi, tu sais. Toi, tu sais, tu vas mourir. Et tu seras refusé. Tu seras. Tu vas mourir. Tu sais que tu seras ressuscité. Et on te demandera. Tu rendras compte. Toi, tu sais. Ton corps va témoigner. Tes mains vont témoigner, tes âmes vont témoigner, ta langue va témoigner, toi tu le sais. Alpha ne sait pas ça, le Kassory ne sait pas ça. Il faut à la Mecque, c'est pour de faire de route. Il dit, oh non, je vais faire du mal, après je vais à la Mecque. Allah, ils pensent qu'ils sont plus malins que Allah subhanahu wa ta'ala. Non, celui qui ne rattache pas Dieu dans ce qu'il fait, il est perdant, he's a loser. Donc, my sister, we love you. We appreciate you. May Allah give you long life. May Allah give you the power to continue to help the Guinean people to understand that ce qui va aider, non, non, mon Walidé, c'est le travail. Walinara. Walikui. Donc, je vous aime. J'aime toutes les Guinéennes, mais pensez-vous à l'égard de ceux qui sont réprimés, maltraités, Bamba et autres qui ont perdu la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur garantit Jannatul Firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une subsistance licite des œuvres qu'il va agréer. C'est tout ce qui compte. Tu vas ramasser tout après tu meurs. 90 ans, c'est quoi? Alpha a trahi. Alpha pense qu'il a, c'est quoi j'ai dit? Alpha pense qu'il a gagné. Mais là, c'est le plus perdant. C'est le plus perdant, le RPG. Ça. Bon, sa femme là, qu'on appelle pas, je me demande si elle a eu d'enfant. Là. Hein? Qu'est-ce qu'elle a eu d'enfant? Même si elle n'a pas eu d'enfant, elle a des soeurs quand même. Elle a une maman. Elle est une femme. Une femme doit être sensible. Lorsqu'elle est partie à Kankabrique, ici c'est le RPG. Kouma Kambet était folaya. Mouabere, Alkana Sorenaya. Subhanallah, est-ce que ma soeur, une musulmane, peut parler comme ça? Une mère, une soeur. Alors, qu'Allah nous protège. Bi rahmatullahi wa rahmatullahi wa sallam. Merci ma soeur, I love you.